mon surnom c'est RK. Elle a oublié son nom. Mon prénom c'est Taïna, j'ai pas de nom scène pour le moment. Je m'appelle Naïm et mon scène c'est Mal. J'ai tout juste 19 ans. Ce qui m'a donné envie de participer à l'atelier culture, c'est parce que j'avais des choses à travailler, des conseils à avoir. Je fais de la musique depuis un peu toujours, je pense. Je faisais à l'église quand j'étais petite et je le fais comme ça, juste comme ça pour le faire. Cause it's a beautiful night, but we can find something down to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Oh, is it the dancing tunes? Who cares, baby? I think I want to marry you. Je vais écrire sur la victoire, un peu positif, toutes les choses qu'on est prêt à sacrifier pour la victoire, et voilà, ok? Victory! C'est le fait de pouvoir être aidé par des gens qui sont, on va dire, qualifiés dans le domaine de la musique et qui pourraient apporter des choses. Mes défauts, c'est la lenteur. Je suis très lent pour écrire et peut-être la confiance en soi. I'm still alive, but I'm barely breathing. Je m'appelle Annabelle, j'ai 17 ans. Just pray to God that I don't believe in. Cause I got time when she got freedom. Cause when I oppress, no, we don't break even. No. What I am gonna do when the best part of me was all with you and. Mes points forts, c'est que je fais de la guitare, que je chante en anglais. Falling to pieces, yeah, I'm falling to pieces. Développer votre tête, même si c'est en 12 mesures, même en 8, avant, tu dois passer au moins 10 minutes sans écrire, à savoir de quoi tu vas parler. Pas chercher tout de suite des rimes. Ça j'ai entendu. Concentre-toi sur ton thème, reste sur ton thème et je veux entendre des mots que tu n'as jamais dit. C'est ça le challenge. Si c'est pour tous les mercredis ressortir les mêmes mots, les mêmes vibes, mon frère, ça va rien. On peut faire 2 ans d'atelier, mon frère. Je veux que tu utilises des mots que tu n'as jamais utilisés. C'est pour ça que je vous dis des mots, des trucs comme Victor, parce que je sais que vous n'avez jamais écrit là-dessus. Surprends-moi. Je m'appelle Rami et mon surnom c'est Rami aussi. Je viens d'avoir 17 ans. La haine a bousillé mes proches. Putain, c'est chaud d'art, on veut voir la lumière mais on est bloqué dans un trou noir. Je mets la prime sans avant, des fois c'est navrant. On n'est pas parti, attends juste qu'on prenne de l'élan. Les autres aussi sont loin et leurs rimes prennent des rides. Je vois que des putes en haut de l'affiche, franchement j'hallucine. Y'a trop de focus, je me demande si je suis un gabonito. Dritar la joga bonito, joue pas ouf tes cacabronito. Les poules n'ont pas de dents, mais les poulets en ont contre nous. Veuillez m'ovationner, j'arrive comme Villa sur le camp new. On va pas me dicter mes phases ni la place que je dois occuper. Moi je suis là quand il faut comme au Kobe. Seul devant le micro, Yeska à mes côtés. Si tu cherches de l'inspi, gros, tu peux m'écouter. Ah, j'ai oublié. Je peux le refaire?
misère m'a pris de vitesse. C'est ainsi que toujours la joie s'achève en tristesse. Je m'aventure dehors, je préfère rester seul pour vivre davantage mes propres remords. On peut tous être fous, mais disons que les vrais voyous n'ont pas forcément goûté à la prison. On charbonne dur et on pense à l'argent, car en France le travail précède toute récompense. Aïe. Ok. Voilà. Ok, bon, mon prénom, moi c'est Stéphane et mon artiste c'est Pacheco. Mon âge, j'ai 18 ans. Je parais vieux, mais je suis jeune à l'intérieur encore. Depuis que je suis en 5e en fait, j'ai débuté avec mes potes dans la cour, tout ça. En fait, on a un petit peu repris le concept de Deviens ton style, sauf que nous on était dans la cour, on se clashait en a cappella, tout ça, en impro. Et à partir de là, bah, c'est là que j'ai commencé à écrire et tout ça. Et je me suis lancé un petit peu dans le rap. Voilà. Ce qui m'a donné envie, ben, c'est ma passion pour l'écriture. On m'a dit qu'il allait avoir un atelier, tout ça. Que ça allait se passer au Radazik avec Rodash. Il y aurait Guy, il y aurait Bobby. Après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas aller à l'atelier d'écriture, leur faire voir mes talents. Alors, ben, je suis parti là-bas et ils m'ont dit qu'ils m'ont sélectionné. Flora, bonjour. Mon prénom c'est Christophe, mon pseudo c'est la vie. Moi je m'appelle Wissel et j'ai 16 ans. Alors je fais du rap depuis un an et demi et j'aime écrire depuis CM1, CM2, enfin vraiment depuis toujours. Ce qui m'a donné envie de participer à l'atelier écriture avec Rodash, c'est d'une part pouvoir écrire mon propre texte, puis apprendre le métier dans la musique. J'adore la musique et je vais aller le plus loin possible, si possible en faire mon métier, tu vois. Donc déjà il faut que je m'améliore. La pire angoisse pour le casting, j'étais angoissé mais au fond je ne savais pas pourquoi. Ma pire angoisse pour le casting, ça a été déjà d'être tétanisé, d'avoir peur de ne pas pouvoir sortir une note, mais au final ça s'est bien passé. Ah oui, c'est parce que Grodash est quand même un rappeur célèbre, quoi, qui a vachement de flow, enfin, il est fort quoi. Donc je me suis dit, devant lui ça va être plus dur que devant un autre. Ce que j'ai travaillé, c'est la justesse et poser ma voix juste sur la musique. Le point fort, c'est les textes, les thèmes, la poésie. J'aspire à être un homme avec un grand H, un modèle, un homme fort et sans tâche, un CV vierge. Tu te tortures ainsi, me ronge et me fais mal. Cache ou triste, pour donner le sourire, capable de changer les pleurs en rire. Mon amour, je t'aime encore. La tâche serait-elle au moins possible, si difficile, il faut que je m'y attache.